Jesta Hillman est enceinte de son troisième enfant et parle de sa grossesse au quotidien sur Instagram. La jeune femme s'est inquiétée, ce vendredi 2 février, sur la possibilité d'avoir développé une certaine maladie dont elle a tous les symptômes. Elle expliquait devoir se soumettre à un test pour être fixée. Le 27 novembre dernier, Jesta Hillman a annoncé qu'elle attendait son troisième enfant avec Benoît Assadi. J'ai actuellement des petites complications de grossesse. Le début de mon second trimestre ne se passe pas comme prévu, j'ai perdu énormément de sang vendredi, j'ai fini aux urgences et j'ai deux hématomes assez importants. Je voulais garder ça pour moi au maximum mais je me rends compte que j'ai besoin d'extérioriser et de positiver. Ça m'est tombé dessus vendredi d'une seconde à l'autre alors que tout allait bien, confiait-elle sur Instagram. Elle précisait néanmoins que son bébé allait super bien mais qu'il fallait quand même garder un œil sur cette grossesse car il y a une fragilisation des membranes à cause de l'hématome, donc un risque de grand prématuré. La maman d'Adriane et de Juliane est très active sur Instagram et se confie depuis l'annonce de cette nouvelle grossesse sur les tracas qu'elle rencontre au quotidien. Dernier en date, son inquiétude au sujet du diabète gestationnel, aussi appelé diabète de la grossesse et qui est un trouble de la tolérance au sucre avec une augmentation de sa quantité dans le sang plus ou moins importante. Une internaute plaisantait et lui écrivait avec humour, « Si t'as le diabète gestationnel, je ne te le souhaite pas, tu pourras l'appeler diabète gestationnel. » Hier, jeudi 1er février, elle annonçait qu'elle allait faire un test aujourd'hui, vendredi 3 février, pour être fixée. RDV ostéo et demain matin, à la première heure test du diabète. Je l'avais déjà eu pour Adriane et OMGGGJI mis du temps à me remettre de ce truc, avouait-elle. Je n'ai jamais connu ça de ma vie entière. L'épouse de Benoît Assadi ajoutait. Pas envie d'avoir de diabète gestationnel mais ça me rassurerait un peu parce que je passe ma vie à boire, 3 litres par jour facile, à avoir la bouche sèche, à faire pipi et vraiment je n'ai jamais connu ça de ma vie entière. J'aimerais me dire ok c'est donc ça. Elle s'exprimait alors face caméra pour donner des nouvelles de ce test qu'elle n'a finalement pas fait. Je n'ai pas fait le test ce matin, parce qu'il fallait être à jeun et je n'arrivais pas à attendre. J'avais trop faim, avouait-elle avec humour. Jesta Hillman précisait ensuite avoir déjà fait ce test dans le cadre de sa première grossesse et avoir trouvé ça dégoûtant. Ça m'avait vraiment mise pas bien, insistait elle-même. Vous êtes tellement à me dire que j'ai tous les symptômes mais c'est pas grave, je veux garder une lueur d'espoir. Je ne stresse pas, si jamais j'ai le diabète, ce n'est pas grave, se convainquait la future maman de trois enfants. Et de renchérir finalement. J'aimerais bien être fixée parce que mon état actuel de soif, ce n'est vraiment pas normal. Suite à sa story, un internaute lui écrivait, après, cela ne veut rien dire non plus. Je suis diabétique type 2 et dernièrement, j'ai très soif, bouche sèche et pâteuse, envie de pipi souvent et je me teste, mes glycémies sont bonnes. Jesta Hillman lui répondait alors, la suspicion est surtout échographique de base car le bébé a un ventre anormalement gros. Affaire à suivre.